Et les amis, c'est Mian de Gamvillain, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui Crysis 2 Remastered, et pourquoi pas le 1? Eh bien parce qu'en fait, j'ai déjà fait un film dessus, vous en souvenez peut-être pas, mais la version remasterisée du 1 est dispo sur PC depuis plus d'un an déjà. Mais là, depuis le 15 octobre 2021, nous avons droit à la trilogie des Crysis remasterisée sur PC, mais aussi sur console next-gen. Du coup, au revoir la jungle et bonjour la ville de New York sur Series X en 4K 60fps, et je tiens à remercier Saber Interactive et Sandbox Strategies pour la clé du jeu. Je compte bien évidemment vous proposer un remaster du 3, soyez patients. Allez, fini la parole de place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous. Achieved with CryEngine. Nous y reviendrons dans la suite du journal. Gary, on vous écoute. Eh bien, pour tout vous dire, j'ai une petite préférence pour New York, qui aligne cette année encore une super équipe. Sur la côte ouest, mon cœur balance entre San Francisco et Los Angeles. Bien. On peut donc s'attendre à retrouver en finale New York, San Francisco ou bien Los Angeles. Vous l'avez entendu en exclusivité, retenez bien nos pronostics. Ainsi se termine notre page sportive. Merci, messieurs. Et maintenant, sans transition, rejoignons Dan pour les infos médicales. Trois nouveaux cas d'infection ont été diagnostiqués chez des employés de Time. Crynet a démenti les rumeurs de fuite biochimique dans ses locaux. La maison mère, Hargreaves Rush, n'a pas souhaité commenter cette information. Il semble... Il y a pour l'instant 127 cas avérés, mais vu la vitesse de propagation, il est probable que le nombre reste... Toutes les voies d'accès ont été coupées alors que les forces... Le prix du carburant menace de dépasser le plafond des 20 dollars. Les agences paramilitaires méritent toute notre confiance. Les New-Yorkais s'inquiètent de... Swordfish 3, confirmez la situation. Ici Swordfish 3, on tient la position. Immersion périscopique. Bien reçu. Position point sud 1. Swordfish 3, vous relevez des signes d'activité sur votre position. Négatif, contrôle. Aucun signe d'activité, c'est le calme plat par ici. Alors, c'est quoi le topo? Attends qu'on donne l'ordre de déploiement. Jusque-là, mets-la en veilleuse, Marine. Y'a personne à buter, Folsom. Ça doit être une crise humanitaire, une épidémie d'Ebola ou une connerie dans le genre. Dis-lui, Alcatraz. Alcatraz est pas très loquace ce matin. Contrairement à ce qu'on dit, la tequila c'est dangereux pour la santé. Hein, Al? Fais oui de la tête, ça suffira. Il émerge. Bon, bref. C'est du délire. Une unité d'élite entière pour une simple évasion. Il y a de la foire au bastos là-dessous. Je les sens, ces trucs-là. Je te parie ce que... Lâche-moi un peu. Écoutez-moi, Maris. Faut qu'on retrouve ce Dr. Gould. Enfilez votre matos et bougez-vous le cul. 10 minutes, à mon signal. Qu'est-ce que je disais? C'est pas avec un M16 qu'on arrive à déloger un virus. Ouais, mais il faut ramener Gould vivant, ok? Eh, hey, paraît que c'est une invasion alien. Mais bien sûr, des aliens illégaux. C'était quoi cette merde? Allez, allez, on évacue! Bougez-vous! Abandonnez le navire! La coque est éventrée! Contrôle, nous sommes touchés! Je répète, touchés! Abandonnons le navire! Tout le monde!
délire est terrible. Alcatraz a été le dernier à s'exiler. Merde, qu'est-ce qui leur est arrivé, c'est pas vrai. N'y touchez pas. Hé hey, on dirait que Miss Liberté en a pris plein la gueule. Ouais, elle s'en mettra. Du coriace. Hé hey, c'est quoi le bordel? Sur nous. Alcatraz, c'est ton nom? Alcatraz. Drôle de destin. C'est à toi de jouer maintenant. Thank you.
profil ADN en cours d'intégration. Initialisation. Dernière chance. La dernière de Gould. La dernière pour nous tous. Je suis foutu. Je suis plus qu'un mort en sursis. Je suis contaminé. Mais toi, tu peux aller au bout. Ils le font. Ils le font. Bienvenue dans le futur. Bienvenue dans la guerre. Ah oui, un dernier truc. Elle me laissera pas filer comme ça. La symbiose. Je dois rompre le lien. Je te donne ma combi. Je te donne ma vie. Promets-moi. Trouve Gould. C'est mon dernier espoir. Tu es mon dernier espoir. Avant, on m'appelait prophète. Souviens-toi de moi. Localiser et protéger Nathan Gould. Détruire le verrou. Prophète, écoute-moi. Je sais pas si tu peux m'entendre, mais ils viennent te chercher. Il faut que tu trouves les Marines. Envoie mes coordonnées. Rejoins-moi dès que tu peux. Traverser le camp. L'énergie de la nano-combinaison en mode camouflage.
Camouflage activé. En fait, se baladant en dans ce truc qui répond au virus. Putain, aussi bien, c'est les limites à l'origine de tout ce bordel. Tu pars, ça va plus loin que ça. D'après ce que j'en sais. En fait, écoute, je suis à côté du centre d'évacuation. Ramène-toi vite. Je vais pas tenir longtemps. Traversez le camp vers le nord. On s'active. Allez, dispersez-vous et passez la zone au crime. Camouflage activé. Cobalt 7, ici Overside. Vous recevez Cobalt? Prophète, les mecs du ciel sont là. Il faut que je me barre. On se retrouve au labo. Dépêche-toi! Confinement, tu pars. Bon, ouais. Mais c'est la zone qui est au prochain. Non, mais t'as vu ces cadavres? Carrément. Camouflage activé. Approchez l'ennemi sans vous faire repérer pour le tuer en toute discrétion. Votre maison est-elle protégée contre les tremblements de terre? Vous trouvez sans doute cette question déplacée si vous suivez dans une chose. Mais vous avez tort. Camouflage activé. Au rapport. Écoute, la combinaison a salement morflé. La liaison a sauté. Je crois qu'elle est rétablie maintenant, mais tu ferais mieux de rappliquer au trot. Tout part en vrille. Tout est infecté, c'est dingue. Et en plus, le sel fait le grand ménage derrière. Sans parler des sèves qui pointent le bout de leur nez. Moi, je dis que le métro, c'est encore plus sûr que les rues. J'espère que ces Marines font leur boulot. Trouvez l'entrée du métro. Contact ennemi multiple. On approche. En fait, tu m'entends? C'est Gould. Où est-ce que t'es, bordel? Commande prioritaire. Armure maximale. L'armure modifie la surface externe de la nano-combinaison afin de renforcer sa résistance et de permettre à son opérateur d'encaisser plus de coups. Le mode armure requiert de l'énergie. Réduit les dommages causés par les explosions. C'est parfait. Abattez-la.
Prophète, le métro, c'était peut-être pas un bon plan. Je détecte des dizaines de signatures thermiques en dessous de toi. Reste sur tes gardes. C'est un nid. Dégage-toi, prophète. Des terroristes. C'est pour ça. Regardez-moi. Interception de transmission ennemie. Ici le commandant Lockhart, à tout le personnel du SEL. Malgré les efforts de nos unités médicales pour inverser la dégénération cellulaire des sujets infectés, nous n'avons découvert aucun remède viable. L'évacuation n'est plus d'actualité. Et le recours à la force létale est désormais autorisé en cas de contamination avérée. En outre, le sujet prophète est classé danger biochimique attesté, tiré pour tuer. Alerte. Menace alien détectée. Overside 1, décroche. Je ne le lâche pas d'une semaine. Localisé, protégé, Nathan. Abattez-le. Accédez au laboratoire. T'as vu ça, mec? T'as vu ça? Il a dû s'écraser à moins d'un bloc de ta position. Tu réalises ce que ça veut dire? Il faut qu'on en profite. Oublie l'extraction, mec. C'est le moment ou jamais. Va récupérer des échantillons et ramène-les-moi au labo. Je pourrais peut-être enrayer le développement de la spore, voire l'invasion tout entière. Mais perds pas une seconde. Lockhart va dépêcher des unités pour fouiller tout le site de crash. Fais gaffe à toi, prophète. Ils ont dû mettre les voiles avant l'impact. Jette un œil au COS. Essaie de trouver des échantillons, des cadavres, un truc du genre. Examinez les postes aliens. Vide, cherche dans l'autre. On va bien finir par trouver quelque chose. Ah, que dalle. Je vais être obligé de descendre dans l'épave. T'es là, prophète? Rentre là-dedans et fais le tour de l'épave. On cherche des cadavres et n'importe quel matos génétique à prélever. Analyser la matière biologique. Nom de Dieu! Des tissus humains!
Ces gens, ils sont fendus. Écoute, sans prélèvement de tissu extraterrestre, on n'a plus rien à faire ici. Tire-toi de là. Là-bas, mais le signal de la combinaison est complètement détraqué, il crève le plafond. J'ai des protocoles d'interface qui tournent en boucle sur tous les systèmes du labo et toute une pile de brevets biotech signés Hargreaves. On dirait une sorte de routine conditionnelle intégrée aux couches profondes de la combinaison. J'ignore ce que ça signifie. Emprunte le MDR et rejoins-moi au labo. Je sais pas combien de temps je pourrais tenir. Alors traîne pas. Le CEL a déployé des points de contrôle tout au long du FDR. J'ai intercepté une de leurs transmissions et il semblerait que Lockhart supervise l'opération en personne. Il est dans le coin, Prophète. Essaie de la jouer discret. Vient de massacrer plusieurs de mes hommes, mademoiselle Strickland. Je ne prendrai aucun risque. Prophète va crever, et Hargreaves pourra Hargreaves veut la combinaison. Il l'aura. Ça ne va pas lui plaire. Et la dernière fois, on a tous les deux travaillé pour lui. C'est là que vous faites erreur, mademoiselle Strickland. Vous travaillez pour lui. Je reçois mes ordres du sel et de la défense. Rien à foutre de faire plaisir à un vieil actionnaire sénile comme Hargreaves. Il est actionnaire majoritaire et ancien président du directoire de Crynet. Vous ne devriez pas tourner le dos à des gens influents, Lockhart. La discussion est close. Option tactique disponible. Camouflage activé. Camouflage activé. T'as qu'à longer le FDR jusqu'à l'embarcadère d'Arbor Lights. Suivre le FDR vers le nord. Drap 7, ici Azure 1, la cible longe le FDR vers le nord-est.
Relèvement sur secteur Delta 7-9. Confirmé capacité d'interception. Ici Drap 7, sur le pont de Manhattan. On s'occupe de lui. Drap 7, ici Sarah Strickland. L'objectif est de capturer la cible pour interrogatoire. L'ordre d'élimination est suspendu à titre définitif. Activez réception et compréhension de la consigne. Rien à foutre. Ce fumier, puisqu'il a moitié de son cobalt. Qui va me le payer, et pas qu'un peu. Attention! Ah, merde! Faut dégager la rue, vite! Vite! Il a été pris dans l'effondrement de l'autoroute. Compris. Prophète se dirige toujours vers le nord sur MDR. On n'y voit rien avec toute cette poussière dans l'air. Prudence. Tu tiens le coup, prophète? J'aperçois un barrage du sel droit devant. Y a pas le choix, il va falloir passer en force. Passer le point de contrôle du sel et voler un véhicule. Prophète, passe par les égouts. Je répète, par les égouts. Fais le jeu de moi. Camouflage activé. Vers le nord depuis le checkpoint Echo 9. Dressez des barrages tous les 500 mètres. Azure 1, autorisation d'engager. En fait, ils ont installé des barrages dans le tunnel. Mais il faut passer quand même. Disponible.
La cible a quitté le véhicule. Je répète, il a quitté le véhicule. Prophète, j'ai vraiment merdé. Il va falloir que tu rattrapes le coup. Je vais me planquer dans un appart qu'une ex m'a prêté. C'est tout prêt. On n'aura qu'à se retrouver là-bas. Là où ça coince, c'est que j'ai laissé l'adresse au labo. Oh putain, si réussissent à craquer les codes d'accès de mon terminal, on est foutus. J'ai besoin que t'ailles sur place et que tu bousilles ce terminal. Ils ont accédé au labo. Prophète, interviens avant qu'ils découvrent quoi que ce soit. Je compte sur toi. Infiltrer l'entrepôt. Détruire les indices menant à Gould. Option tactique disponible. Camouflage activé. Position défensive. Il arrive vers vous. Les unités, prophète confirmé en visuel, c'est à l'embarcadère. Butez-moi cette enflure! J'ai la caméra de sécurité braquée sur toi. Il y a trois gus là-haut. Bute-les avant qu'ils trouvent quoi que ce soit. On dirait qu'il est parti à la boue. Allume les terminaux. Lance-garde, petit copier de tout le cousin. Camouflage activé. Bac-moi un peu tout ça. Camouflage activé. Attends, il y a quelque chose. Camouflage activé. Répondez. Avec. Comment je suis content de te voir. Écoute, je te transmets les coordonnées d'un endroit pas loin, où j'ai installé un autre dispositif. Des surplus de Crynet que j'ai sortis des réserves en démissionnant. C'est moins puissant que celui du labo, mais faudra faire avec. Retrouver Nathan Gould. Thank you.
Ah, t'arrives enfin. Je t'envoie l'ascenseur. Tu me croiras pas si je te raconte tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Barclay, ces hommes se font piler. Crynet part en couille dans tout le reste de la ville. En gros, c'est la merde. Prophète. Bon sang, pas fâché de te voir. Je t'ai pas rassuré, je dois te l'avouer. Dépêche-toi d'entrer. Qu'on referme les portes. Ouais, j'ai examiné le scan de cette espèce de spore que tu m'as ramené. C'est clairement viral. Exactement la même structure que la nanocombi. Je crois que Hargreave est cinglé de traiter ça comme du vulgaire. Kevlar. Là-dedans, j'ai installé un dispositif. Identique à celui qui était sur l'île, mais en un peu moins puissant. On va voir ce que ça donne. Eh oui. Tara Strickland. La fille à qui tu sais. Moi, je trouve ça hallucinant. Et puis Hargreave, voilà, c'est Hargreave, quoi. Connexion établie. Veuillez patienter. Système en ligne. Initialisation terminée. Accès à la mémoire. C'est bizarre. Ça ne devrait... Attends un peu. Tu n'es pas prophète ? Menace détectée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui êtes-vous ? C'est Hargreave qui vous a... Des images de la mémoire intégrée. Trouve Gould. C'est mon dernier espoir. Tu es mon dernier espoir. Avant, on m'appelait prophète. Souviens-toi de moi. Plus continuer, j'ai plus la force. Je suis pas un gros dur à cuire comme prophète. Enfin... Bon sang, j'aime les trucs de geek et les conspirations. Ah, bordel! Prophète était censé nous exfiltrer avant l'arrivée des Marines. Alors... T'es un expert en céphalopodes? Quelle question, bien sûr que non. Tu veux que je te fasse la version courte? On se fait éclater dans les grandes largeurs par des calmars. Tu t'es jamais demandé à quoi pensaient les Incas quand la variole est apparue chez eux? T'as vu la spore, pas vrai? T'as vu ce qu'elle fait? Prophète disait qu'il avait trouvé un remède. Fin du scan. Alerte. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que... Bon, je t'explique. La combinaison que tu portes est faite d'un nanotissu semi-organique auto-régénérant breveté par Hargreave Rash Corporation. Ouais, c'est Hargreave. C'est lui qui a conçu ça. Prophète a été recruté pour porter la combinaison. Mais le problème, c'est qu'il s'est barré. Et après, quand il est revenu, il était à moitié barge. Tu vois ça?
Ça, c'est une routine virale intégrée dans les couches profondes. C'est un code vivant, on dirait qu'il se reprogramme pour s'adapter à de nouvelles données. À un nouveau paramètre, peut-être. Moi, je dirais que ce truc-là, ça doit être le biocode d'un vaccin contre les nanospores. Ouais, ça doit être ça. Il faut qu'on fasse décoder ce truc. Mais je peux pas faire ça ici. J'ai pas assez de puissance de traitement, à moins que... Oh, et merde, le seul endroit à New York pour faire ça, c'est chez Hargreaves sur Roosevelt Island. Le prisme. Et c'est un perpète. Ce serait du suicide d'y aller en ce moment, avec tous les sèvres qui grouillent de partout. Oh merde. Ils sont là! Merde! Merde! Ok, je prends les sites de secours, mais avant, je scelle les portes. Sors, c'est gardé à distance. Éliminez l'escadron du sel. Camouflage activé. Intercepter des transmissions du sel. Ils allaient t'escorter jusqu'à un central de commandement du côté de Wall Street. Je connais l'endroit. À tous les coups, ils y ont installé une nacelle d'analyse. Il faut qu'on comprenne comment fonctionne ta combi. La sécurité risque d'être renforcée. Mais il y a un tunnel d'évacuation qui passe sous la rue. Ramène-toi à l'église de Wall Street. C'est là-bas que le tunnel débouche. Passe par les toits, c'est plus prudent. On se rejoint là-bas. Le sel s'est massivement déployé autour du poste de commandement. Les sèvres ont dû leur coller une sacrée frousse. Continue vers l'église. Voyons si je peux t'aider à contourner la sécurité. Infiltrer le complexe de nanorecherche du sel. Accéder au poste de commandement du sel. Pas prévu. Le coin grouille d'agents du sel. Tout le périmètre est placé sous mesure d'interdiction. Bon. Il va falloir m'aider à passer la sécurité. Essaie de créer une diversion du côté de l'église pour éloigner un maximum de troupes de Wall Street. Puis, ouais, passe par le tunnel d'urgence et viens me rejoindre de l'autre côté. Scan terminé. Cible identifiée. Créer une diversion pour Gould. Action tactique disponible.
Camouflage activé. Oh, camouflage activé. Camouflage activé. Camouflage activé. Sur toi, mon vieux. On se retrouve de l'autre côté. Rallié Wall Street. Bon, écoute. La nanocombinaison 2.0 embarquait toute une panoplie de fonctions biométriques. Du matos de pointe. Un enfer à manipuler. Un agent expédié au front avec ça sur le dos devait être encadré. Ça, c'était mon job. L'appui logistique en temps réel. Et forcément, ce genre d'intimité, ça crée des liens. Bref, si Prophète t'a fourgué la combinaison, c'est qu'il avait quelque chose en tête. Une fois qu'on t'aura scanné dans la nacelle, on sera fixé sur ses intentions. Notre petite diversion a fonctionné. Ils dégagent leurs troupes de Wall Street. À nous de jouer. Écoute-moi bien. Je vais passer par les niveaux inférieurs. De ton côté, passe... par les toits. Bon courage, mon vieux. Localiser la nacelle de nano-analyse. Entrer dans le complexe de nano-diagnostic du sel. Armure maximale. Il a percé nos défenses. Je répète, Prophète a infiltré le secteur Alpha. Que tout le monde ramène une fesse par ici. Camouflage activé. Vous me recevez? Camouflage activé. Attention, vous pénétrez dans une zone de sécurité maximale. Camouflage activé. Camouflage activé. Rose 2, il y a sur toi. Rapproche du secteur Alpha. Bien reçu. C'est bon, je suis entré.
T'as intérêt à appliquer vite. Ils envoient des renforts depuis le prisme. Le temps joue contre nous, Alcatraz. On dirait que toute la zone est scellée. Il va falloir employer la manière forte pour rentrer. J'ai la cible principale en visu. On y est. Bon, bon, écoute. Et évite de jouer du flingue, tu seras gentil. Je vais avoir besoin de techniciens pour piloter cette nouvelle interface. Tu es prêt? C'est parti. Go! Ne tirez pas! J'en vois pas le coup! Alimentez le système. Je veux scanner la combinaison. D'accord. Maintenant, les gars. Mais... me faites pas de mal. Hommes te courent après partout dans le centre-ville et te voilà ficelé comme à la parade. Ficelé comme il est, le tuer serait superflu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme vous voudrez. Commandant Lockhart, écoutez-moi, ne tirez pas. C'est toujours un plaisir. Surveillez le frais, et s'il survive, ne le bousculez pas trop. Il doit être en état de nous répondre. Vous devriez le débrancher avant de l'extirper de cette chose. À
Avec plaisir. Juste un conseil, prophète. Tiens-toi à carreau. T'as plutôt intérêt. Tu vas garder ça dans ton oreille pendant tout le trajet. Au moindre geste suspect, je t'arrache la tête, enfoiré. Vas-y, maintenant. Fais pas le malin avec moi, prophète. Allez, lève-toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Gould ? Je croyais que tu serais ravi maintenant que l'odieuse conspiration universelle est enfin dévoilée. Je te le dirai pas deux fois. Mon Dieu, Tara. Si jamais ton père... Je pense qu'il se retournerait dans sa tombe. Ouais, c'est ça. Tu ferais mieux de laisser mon père où il est et de fermer ta gueule. Tu te crois si futé que ça, Tara ? Attends, t'as bien conscience que c'est pas prophète, là ? C'est qu'un anonyme. Putain, c'est quoi ? C'est le coup de sismique ! T'as fait un gris, jusqu'au prisme. Faites-le entrer dedans. C'est le problème de Hargreaves maintenant. Réinitialisation des fonctions.
spécialisation des fonctions vecteurs de tissu alien isolé et conservé en couche profonde. Traitement. Analyse de la nanoforme. Registre de compatibilité activé. Traitement. Profilage en cours. Évaluation de la viabilité d'un catalytique. Traitement. Ling Shan reste nominalement une opération clandestine des Américains. Vous serez mes yeux et mes oreilles, prophète. Vous pouvez veiller à ce que votre équipe s'en sorte, je n'ai rien contre, loin de là. Mais votre priorité reste de me faire des rapports. Si vous le pouvez, prélevez des échantillons. Sinon, contentez-vous de revenir vivant. De me rapporter ce que vous avez vu. Les nanosystèmes priment sur tout le reste. Mais le tout nous est compté, à tous, sans exception. La race humaine doit maintenant s'éveiller. Restauration système, agent corrosif isolé. Fonction centrale altérée. Reroutage de l'alimentation. Stand-by. Votre combinaison n'émet que très faiblement, mais ça fera l'affaire. Je ne crois pas que nous ayons été présentés. Jack Hargrave. Pour vous servir. Nathan Gould aura certainement mentionné mon nom. Sans doute pour me reprocher encore une fois tous les maux du monde. Mais nous avons des préoccupations plus urgentes. Nous devons vous armer et optimiser vos performances. Bref, vous vous trouvez non loin du centre bureaucratique, esclérosé de cette ville. Bien que l'exode des politiciens en ait considérablement renforcé l'attrait, leurs successeurs n'ont hélas rien à leur envier. Mais ma parole n'engage que moi. Après tout, la confiance se mérite. Allez donc observer par vous-même. Je vous guiderai du mieux possible. Mais vous devrez vous plonger dans les pires abîmes de cette ville. Vous y trouverez ce qu'il vous faut. Reroutage des systèmes. Interface validée. Moi, je vais. Je me sens semble en effet que les VIP ont reçu un traitement digne de leur rang. Quel ingénieux mécanisme. Songez à la crise bovine sud-américaine d'il y a 2 ans, ou à l'épidémie de vache-folle britannique du siècle dernier. Le problème n'était pas d'abattre les animaux, ça c'était la partie facile. Le problème c'était de s'en débarrasser. Que faire de ces millions de carcasses en décomposition ? Eh bien, voici la réponse des CEF au problème. Ils nous désintègrent et ils réduisent l'impact environnemental à zéro, ou presque. Magistral. Accéder à l'hôtel de ville. Oui, vous voyez, c'est toujours le même système de traitement de la biomasse. Dans quel but ? C'est ça la question. Révoltant. Certainement, mais tellement fascinant. Camouflage activé. Camouflage activé. Thank you.
pénétrer la structure. De là où vous êtes, vous devriez distinguer des affleurements de la structure alien. Le vaisseau que les pilotes de Lockhart ont abattu devait stationner quelque part en sous-sol. Recherchez ce qui s'apparenterait à une tour ou un silo. Regardez autour de vous. Admirez cette flore. Avez-vous jamais rêvé d'explorer une autre planète? Ce rêve nous touche à soi, si seulement on avait du temps. De la Défense projette de détruire la digue Rawson pour submerger le centre-ville et tenter de balayer les Cephs. Le doute n'est plus permis. Ce plan insensé sera mis à exécution malgré mes objections. Et je ne tiens pas à ce que le déluge vous surprenne en sous-sol. Rejoignez le cœur de la structure alien au plus vite, puis évacuez. Le temps joue contre nous. J'hésite à recourir à des analogies simplistes avec la faune terrestre, au risque de plagier l'estimé professeur Nathan Wood. Dieu m'en garde. Mais ce à quoi nous sommes confrontés s'apparente visiblement à une société insectoïde. Le niveau d'infestation alien dans ces tunnels est massif, sans nul doute. Retrouvez Reeves et ses hommes. On a perdu le contact quand ils sont entrés dans le métro. Soyez prudents. Je tiens à ce que vous restiez en vie. Vision activée. Camouflage activé. Nanovision activée. Camouflage activé. Qu'ils ont cessé de transmettre. J'espérais que... Ah, peu importe. À la guerre comme à la guerre, chacun doit faire des sacrifices. Essayez de trouver leur équipement de scan. Ça nous aidera peut-être à comprendre dans quoi on s'embarque. Mitchell Reeves. Après Tara Strickland, c'était mon meilleur élément. D'après le flux que vous m'envoyez,
La boucle de Spore est quasiment en état de sommeil. Il va falloir y remédier. Il doit y avoir des déclencheurs de stimulus dans le coin. Mais de là à vous dire à quoi il ressemble. Alerte. Explosion imminente. Moyen d'accéder au bâtiment central. D'après les plans que Reeves et son équipe m'ont transmis, je serais d'avis de faire sauter l'un des seaux et de profiter de sa rupture pour vous faire entrer. Recherchez une faille dans l'infrastructure. Option tactique disponible. Ressemble à de l'écologie corallienne. Peut-on douter que ces créatures se soient développées dans l'océan ? Saboter le conduit de la spore. Se connecter aux veines des spores. Camouflage activé. Ça a l'air de marcher. Mais il va falloir que vous fassiez de même avec les autres tubes. Pour égaliser la pression dans tout le système. Camouflage activé. Vous avez l'effet souhaité. Mais faites vite. Ces idiots du Pentagone se préparent à agir. Bien. Voyons maintenant ce que peut faire la combinaison. Infestation de nanosphères. Filtrage. Recherche d'interface. Parfait. Reconnaissance. Communication. Échange. Les protocoles sont compatibles.
Je ne m'attendais pas à une telle résistance. Un conseil ? Si vous voulez bien m'excuser. Alcatraz, écoutez-moi attentivement. La décision est prise. Les bombardiers vont arriver. Dégagez d'ici. J'ai envoyé un hélicoptère vous exfiltrer. Mais vous devez faire vite. Trouvez un endroit plus élevé. Ça y est, la digue est neutralisée. Courez, Alcatraz. Essayez d'en sortir vivant. La combi et vous êtes notre seul espoir. C'est Chino, mec. Tu te rappelles ? Mais il t'est arrivé quoi ? Belle tenue, mec. Plutôt sympa. T'as fait du shopping sur la 5ème ? Active-toi ! Il faut qu'on trouve un endroit plus sûr. Là, on est des cibles faciles. Ah ouais, sans déconner. Assister la compagnie Delta. Aller jusqu'au point d'extraction. Trouve-toi de quoi te défendre. T'en auras besoin. Hey!
Ok, regroupez-vous et rechargez. Ok, la position jusqu'à l'arrivée des renforts. Par devant, Alcatraz. On va faire sans toi. Option tactique disponible. Camouflage activé. Dans la mesure du possible, tâchez de ne pas abîmer ma combinaison à $1 milliard. Vous serez bien aimable. Il vaudrait mieux pour tout le monde que vous parveniez ici en un seul morceau. Je vais faire mon possible pour vous fournir un appui, mais de grâce. Essayez d'être prudent. Et faites bien attention. Le danger vient du ciel. Avec vous d'ici peu. Delta, ici Cyclope 7 en approche sur zone. En place pour l'évacuation aérienne du terminal. Messieurs, on va faire ça vite et bien. Reçu, Cyclope 7. Suivez-nous. Cible éliminée. Tirez pas, il est avec nous. Et toi, par là. Allez. Option tactique disponible. Compagnie Charlie, retirez sur moi. Leader, ici Chino. On y est presque. Faites attention, des vaisseaux se dirigent vers vous. Bien vu, Chino. Vous avez entendu ? Préparez-vous, les gars. Alcatraz, j'ai bien peur que la situation nous échappe. La combinaison fonctionne au niveau cellulaire et s'apprête à valider sa nanostructure en activant un pont entre notre technologie et celle des CEF. Il nous faut plus de temps. Avancez avec les Marines. Et faites de votre mieux. Je ne vous ai pas abandonné, Alcatraz. Mais on va devoir se battre comme des diables pour survivre. Transporteur, on approche! On tient notre position et on descend ces enfoirés! Il faut sécuriser la zone! J'aime pas!
Gino avait vu juste. Alcatraz, par ici. Faut y aller, là. Par ici, allez. Bravo, mon petit gars. Maintenant, direction Central Station. Alcatraz, je devrais pouvoir atteindre vos camarades avec ça. Je redirige votre signal jusqu'à leur système de com. Mais c'est quoi ce bordel? Je m'appelle Jacob Hargrave. Vous ne le savez peut-être pas, mais la combinaison d'Alcatraz évolue en une puissante bio-arme anti-alien. Pour finaliser ce processus, il nous faut un agent stabilisant. Alcatraz, ralliez immédiatement le bâtiment à Hargrave Rage. Je vous transmets les coordonnées. Allez-y avec vos équipiers. Vous aurez besoin d'eux. Faites au plus vite, je vous en prie. Les CEF n'attendront pas. Le bâtiment Hargrave Rage. Mais l'entrée principale est bloquée, tout comme le reste du périmètre. Les systèmes de sécurité signalent une voie d'accès au niveau du parking. De là-bas, vous devriez pouvoir accéder au rez-de-chaussée. Les bioprotocoles sont stockés au service recherche et développement au 11e étage. L'accès à l'ascenseur et aux escaliers est bloqué. Mais vous pourrez réinitialiser le système depuis le poste de sécurité. Faites vite! Le temps nous est compté. L'immeuble Hargrave Rage est dans cette direction. Essayons de rester discrets. Allez! Alors voilà. Le bâtiment est surprotégé. Il va falloir employer la manière forte et passer par le parking. Les échantillons du bioprotocole se trouvent dans l'aile de recherche au 11e. Passez par le hall pour y monter. Utilisez la tourelle du VCI pour ouvrir les portes de sécurité. Attention, Alcatraz ! T'as de la visite ! Descendez-le, messieurs. Puissance maximale.
Cette abomination doit cesser! Qu'est-ce que vous faites, Lockhart? J'aurais dû faire il y a 3 ans l'enfer. Vos saletés de rêves cyborgs n'ont qu'à bien se tenir. Vous gâchez notre dernier espoir, Lockhart. Bon sang! Vous croyez peut-être pouvoir échapper au futur? On n'a pas le choix. Maintenant c'est terminé, Hardwick. Le directoire est de mon côté. Il ne croit plus à vos histoires. C'est moi qui vous ici. Les ascenseurs et les portes de sécurité sont tous hors service. Il faut redémarrer le système depuis le terminal. Attends, écoute-moi. Je suis désolé, mais on peut pas rester. Je le répète, on peut pas rester. Tous les escadrons rentrent à Central Station. Essayez de nous rejoindre là-bas, on aura besoin de toi. Bouchez-vous les oreilles ! Delta 6, tenez votre position. Comment ces idiots peuvent-ils jouer aux chaises musicales à un moment pareil ? Très bien, c'est le moment de partir. Je vais m'occuper de Lockhart. Nous reparlerons bientôt. Chino nous a parlé, j'ai aucune idée de qui vous êtes. Mais ce que je sais, c'est qu'on aurait bien besoin de vous à Central Station. Et on lui botte le cul.
Ici Barclay, à toutes les unités de Marines, des périmètres primaires et secondaires. Repliez-vous dans l'ordre jusqu'au terminus et regroupez-vous. Notre objectif consiste à évacuer les civils et les blessés jusqu'au dernier. D'ici là, nous tiendrons la position. Il vous reste une heure ou plus pour nous rejoindre. Après quoi, vous devrez rentrer à Pince. La vitesse est la clé, messieurs. On baisse le rideau. Colonel Barclay, ici Charlie 7. Impossible de rejoindre l'objectif à l'ouest. L'ennemi nous a accueillis à la bibliothèque alors que la 5e et la 42e. Il y a des dizaines de civils. Demande à plus feu pour l'attention. Reçu, Charlie. La compagnie Bravo arrive par le sud. Opérez la jonction et progressez jusqu'au terminal. À toutes les unités à l'ouest de l'objectif. Convertissez vers la bibliothèque avant retour sur la gare centrale. L'évacuation interviendra dans l'heure. Par les tunnels est. Le temps joue contre nous. Barclay, terminé. Attention! Vaisseau ennemi! Bloquez-vous! À terre! Descendez-moi cette saloperie! Merde! À couvert! Évacuez le bâtiment! Et merde! Brouillez-vous! Bordel de merde! Nom de Dieu! 2 et 6, voyez s'il y a des survivants! Tous les autres, dégagez-moi l'espace aérien! Et que quelqu'un me ramène une arme. Qu'est-ce qui se passe ?
On commence à tuer la charge. Par là, on se bouge. Reprochez-vous, près des véhicules. Exécution. Allez-y et progressez à couvert. Go. Allez, monsieur. On y va. À l'est, puis rejoignez la compagnie Echo pour défendre le périmètre. Perçu. Terminé. Messieurs, nous allons renforcer les défenses du Terminus au niveau de toutes les entrées de surface et miner à distance les accès souterrains de la structure porteuse. Je veux que les civils et les blessés soient escortés jusqu'au niveau inférieur avant évacuation. Et avant ça, dites-moi pourquoi on croise encore des tirs d'artillerie. J'ai ordonné qu'on neutralise les mortiers de la zone sud il y a déjà une demi-heure. Mais coquins, bloquez-moi cette ligne de feu. Charlie 6, ici Echo 7. La première phase d'évacuation a commencé. Quel est votre TAE? Ici Charlie 6. À l'ouest de l'objectif. Reçu, Charlie. Alerte. Activité ennemie relevée à l'ouest de l'objectif. Bien sûr. Ok, c'est parti. Contact. Rejoindre l'opération défensive à Central Station. Rallier l'extérieur de la gare. Armée au maximal. Camouflage activé. Ok, on se bouge. Camouflage activé. Camouflage activé. Localisez le sergent-chef Rainer. Engagez. Tirez. On a besoin d'aide par ici. Le génie terrestre a placé des tonnes d'explosifs dans le bâtiment Onyx pour le faire sauter et bloquer les tirs de mortiers ennemis. Mais le système de verrouillage est bloqué. Pour que quelqu'un aille les réactiver. Les chefs arrivent. Il n'y a pas une minute à perdre. Protéger Central Station.
Amenez-vous, salopard! Nord-Est, revers! Dérouille ce fils de pute! Ah! Ils sont partout! Pas moyen de Nord-Est est flingué! Je répète, Nord-Est est flingué! Sauvez-moi ce détonateur! Y a rien à faire. Il doit bien y avoir un moyen. Putain! Ma femme est là-dedans, connard! Laissez-moi monter la pointe! Vous entendez? Je m'entends pas. Elle a peur. Laissez-moi la pointe. Restez tranquille. Tentez-vous de me donner une arme. Celle défend. Quand ça pètera, vous aurez besoin de tous les hommes valides pour vous en tirer. Désolé. Mais puisque vous avez été reclassé, on doit vous désarmer à vue. Hey, j'étais un des vôtres avant ça. 9 ans dans l'US Army. Tout comme vous, les gars. Restez tranquille. Je suis un marine. Vous, je sais pas, mais vous avez quitté l'armée. Vous n'avez plus de privilèges. Ok. Thank you.
Docteur Gould, j'apprécie l'aide que vous nous avez fournie, mais c'est une opération militaire, je vous le rappelle. Vous êtes un civil. La loi martiale. La loi martiale, oui. Si la situation vous plaît, tant mieux. Mais vous ne m'écoutez pas, colonel. Nous devons. Alcatraz, tu as réussi. Bienvenue parmi nous, Marine. Mes hommes ne tarissent pas d'éloges. En fait, la plupart ont même peur de toi. C'est pas un simple troufion qu'on envoie au casse-pipe. Il faut... Il est sous mon commandement. On aura besoin d'un maximum d'hommes pour protéger cette zone jusqu'à l'évacuation. Docteur Gould, ce sera tout. Merci. J'ai planifié votre évacuation par le train avec le reste des civils. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Colonel, vous ne comprenez pas. Jack Hargreave peut répondre à toutes nos questions. Il faut faire un raid immédiat sur Roosevelt. D'après ce que nous savons, Hargreave est déjà mort. A priorité, c'est l'évacuation. Attendez, vous allez me lâcher, oui? Désolé, Docteur Gould. On a d'autres chats à fouetter. Gino, amène-le au train. Oui, chef. Venez, Doc. Faut y aller. Alcatraz, avec moi. Ton ami Gould s'est pointé en disant avoir faussé compagnie à Tara Strickland. Mon cul. Tara Strickland, c'était la crème des Navy Seals avant qu'elle pète un fusible. J'imagine qu'elle l'a laissé filer. Mais pourquoi elle ferait ça? Regarde tous ces gens. J'ai grandi dans cette ville. Chacun d'eux pourrait être de ma famille. Et si tout se termine de la même façon qu'à Linshan? Bordel! Y a rien qui marche ici. J'étais à Linshan. J'ai vu Strickland mourir. Quand Tara l'a su, elle a... craqué. Boisson, drogue, et pour finir, renvoi de l'armée. Son père doit se retourner dans sa tombe. Et maintenant, la voilà dans la SMP de Hargreave. Martinez, qu'est-ce que c'est? Chef, ils entrent dans le grand hall! Nous n'avons plus beaucoup de temps. Martinez, va sur les quais annoncer à Dickerson de faire partir le premier train. On ne peut plus... Chef! Poste de tir. Raoul, montez donner un répit aux civils. Contrôlez la soignée. Disponible.
camouflage activé. Nanovision activée.
Alcatraz, à toi de jouer. Essaie de gagner du temps. Nanovision activée. Barclay, je me dois de vous le déconseiller. Vous êtes qui, mon Dieu ? Jack Hargreaves. Colonel, nous n'avons pas... Vous êtes sur un canal militaire ! ...de temps à perdre en parlotte. Vous avez affaire à la pire arme biologique d'interdiction de zone qui soit. Vous et tous vos hommes serez morts d'ici 90 secondes si Alcatraz ne suit pas mes instructions à la lettre. Cyclope 4, contrôle ! Attitude opérationnelle, vite ! Bien reçu. Merci, colonel. Bien. Alcatraz, la lance doit disperser les spores, mais ces systèmes sont vulnérables. Escaladez-la comme vous l'avez fait dans la ruche. Sabotez la lance alien. Déflagration imminente. Pas plus d'une vingtaine de secondes. Effectuez la séquence tout de suite. Très bien. Maintenant, patientez un instant. Si cette combinaison est aussi bien conçue que je le pense... Cyclope 4, descendez nous exfiltrer. Bien vu. On descend. Lance, Alcatraz. Prenez garde. Excellent.
Je vous l'ai dit, on n'était pas arrivés à mi-chemin qu'ils nous ont fait dérailler. Vous allez m'écouter maintenant. Il faut qu'on aille au prisme. Le prisme, c'est notre dernier espoir. Argrive est le seul à connaître les réponses. Vous devez y envoyer Alcatraz et l'évacuer dans la foulée. Je pourrais jamais m'approcher de ça. Surtout qu'on a pas mal encaissé tout à l'heure. J'ai plein de ruptures dans le circuit d'alimentation. On crache du fuel comme un cochon égorgé. Je vais devoir faire un crochet et vous larguer au sud. Désolé. Allez, on embarque tout le barda. On se prépare à larguer ce type par l'arrière de la dame. T'es prêt? Largage imminent. Je vais voler le plus bas possible. Mais faites vite, c'est dangereux. Très touché que vous vouliez revenir me chercher, Alcatraz. Mais vous devez procéder avec prudence. Lockhart a déployé ses meilleures troupes partout dans l'île. Je vais vous guider au mieux, mais ma visibilité est plus que limitée. Infiltré, lire-roussage activé. Avancez au nord vers le prisme. Ralentissez et ouvrez grand les oreilles, Alcatraz. Lockhart vous réserve un piège à impulsion électromagnétique au prochain point de contrôle. S'il est activé, les systèmes de la nanocombinaison seront détruits et vos synapses avec. Nous n'avons pas le temps de contourner le piège, mais nous pouvons le déjouer. Il y a une station électrique auxiliaire pour le prisme près de la rive est, pas loin de votre position. Camouflage activé. Camouflage activé. Lockhart n'en a pas conscience, mais le générateur qu'il utilise pour son blast IEM fait transiter par cette station une quantité d'énergie proche de la surcharge. Si vous parvenez à déclencher le mécanisme d'arrêt, ça devrait définitivement rétablir le système afin d'empêcher toute surtension. Il n'en saura rien, car ça ne s'affichera pas sur son système. Mais quand il actionnera les commandes, croyez-moi, ce sera bon. «
Excellent. Maintenant, quittez les lieux au plus vite. Le seul aura sans aucun doute détecté la panne. Ils vont envoyer un détachement. Quittez la station. Vous devez continuer. Ne leur donnez pas le temps de s'apercevoir de ce que vous avez fait. Camouflage activé. Accédez à l'avant-poste. Devient intéressant. Ça y est, messieurs. Il est fait. Balancez tout. Blast confirmé. Levez la porte intérieure. Porte intérieure levée. Nanovision activée. La première solution de tir, vous envoyez la source. Inutile de tenter le garde sur vous ici. Maintenant, cessez cette combinaison. Il y a un regard d'évacuation sur votre gauche. Ouvrez-le et descendez les tuyaux jusqu'à la rivière. Je déverrouille la porte et vous envoie les coordonnées de Lockhart. Allez! En avant! Bien reçu. Attention, passage en tour. Espacez-vous! Éliminez le commandant Lockhart. Qu'est-ce que vous comptez affronter? Camouflage activé. Délogez le noir. Sapondis, attention. La cible se détache peut-être sur votre flanc gauche. L'IEM ne semble pas avoir fonctionné. Je répète, l'IEM n'a pas fonctionné. Je vous avais averti que vous n'étiez pas de taille, le garde. Votre petit manège est terminé. Vous serez suivant, l'ancêtre. Attendez que je règle son compte à ce fumier en armure, et je viendrai en personne vous faire sauter le caisson. D'autres ont déjà essayé. D'autres plus doués que vous. Certains même qui n'avaient strictement rien à main. Alcatraz, prêt-le. Oh ! Armure maximale. Non ! Putain d'enfoiré ! Non ! Camouflage activé. Au travail. Mes locaux vous sont ouverts. Je vous ouvre l'entrée du prisme. Rejoignez-la sans perdre une minute. Accédez au prisme et retrouvez Harry. Merci, Mademoiselle Strickland. Très beau travail. Vérifiez son pouls, vous voulez bien? Et faites-le transporter au labo d'écorchage. Il faut le préparer au plus vite. Le temps travaille contre nous. Alerte IEM. Système défaillant. Système basculé sur fonction primaire. Système de survie prioritaire. Alerte IEM. Système défaillant. Système basculé sur fonction primaire. Système de survie prioritaire. Alerte. Protocole de couche engagé. Routage des systèmes. Remets-toi le cul, Marine. Tu crèveras plus tard. Reprends le combat, Hugo. Juste un autre troufion, je le crains. Prophète,
aurait pu parler. Au moins, la nano-combinaison est intacte. C'est la seule chose qui compte. Pour le reste, j'improviserai quand je l'aurai enfilé. Ah, mon jeune ami. J'espérais vous éviter d'être conscient, mais la nano-combinaison ne l'entend pas de cette oreille. Alors, on peut s'y mettre. Triste vraiment, mais c'est la seule solution. Cette combinaison, celle-ci, et aucune autre si je veux avoir la moindre petite chance d'arrêter les SEF. Un simple soldat ne sera pas suffisant. J'ai du mal à cerner ce qui se passe. Ok, prophète. Vous avez assimilé les nanosystèmes des SEF. Vous êtes notre seul espoir. Sale petit fils de pute. Vous le saviez. Vous saviez pertinemment que les combinaisons étaient symbiotiques. Vous avez fait des hommes des morts en sursis. J'en ai fait des sortes de guerriers post-humains. En tant que soldat, vous connaissez certainement l'importance... Vous nous avez menti ! J'ai peut-être fait quelques mensonges par omission. Oui. Mais que pouvais-je faire d'autre ? Et vous, qui pouvez-vous maintenant ? Les SEF sont en route, prophète. Et vous ? Vous croyez que des soldats humains suffiront à les battre ? Les humains normaux n'ont pas leur place dans cette guerre. Ils ne sont pas taillés pour... Nous sommes tous des morts en sursis, rien de plus. Dans mon futur, la mort ne sera qu'un moindre mal. Surcharge nano-kinétique. Arrêtez, Marine. Les systèmes sur Terre, la combinaison rejette le sectionnement. Arrêtez-le. Tuez-le s'il le faut, mais n'abîmez pas la combinaison. Visez la tête. Désolé, c'est raté, l'ami. Fais tes prières. Tara, non! Tara, écoutez-moi! Tout va bien. Je suis de la CIA, groupe d'opérations spéciales, recruté chez les Navy Seals il y a 3 ans. C'est moi qui vous ai ordonné de sauver Prophète et Gould, mais ça a foiré, pari raté. Écoute, on aura tout le temps de discuter plus tard. Il faut qu'on sorte Hargreave de là avant que les SEF détruisent tout sur leur passage. Hargreave est complètement fou. Il se prend pour le seul humain compétent de la planète. Mais il a des infos cruciales sur les SEF. Il y a un siècle, il a volé leur technologie à Tunguska, et il cherche à la développer depuis. Il y a 3 ans, c'est lui qui a manigancé les événements qui ont causé la mort de mon père à Lingshan. Il a un plan pour contrer l'invasion extraterrestre, et il faut qu'on découvre ce que c'est. Il s'est retranché à l'étage de l'exécutif, par là. Sécurité maximale, personne n'a le droit d'aller le voir. Tu peux me croire, j'ai essayé. Il faudrait que tu te ferais un passage. Je monte à l'héliport nous trouver un billet de sortie. Rejoins-moi là-haut avec lui. Si on l'exfiltre, on l'emmènera dans un endroit où on pourra peut-être le faire parler. Je reste en contact radio. Option tactique disponible. Localiser et exfiltrer. Rejoindre et s'entretenir avec lui. Thank you.
Alors vous voilà, Taizé, enfin. Bienvenue. Chiche récompense pour tant d'efforts, hein? Quand on brave le dédale, on espère au moins apercevoir le Minotaure avant qu'il ne nous tue. Ma foi, ce n'est que justice. Bien. Bas les masques. Me voici à présent. Choqué, je comprends. J'en profiterai à votre place. Sentir votre pouls qui s'affole, sans oublier l'afflux des agents chimiques dans votre corps. Fugace, mais quelle extase. Ça faisait vraiment un bail que je n'avais pas ressenti ça. Un siècle passé sans autre distraction que celle de mon intellect. J'ai suivi la voie que Karl Rasch a refusée et opté pour le chemin de l'immortalité. J'espérais porter la combinaison de prophète, manier ses armes et enfiler l'armure qui lui appartenait. Entrer dans le dédale pour achever le Minotaure. Maintenant, vous allez terminer ce que Prophète a entamé. Barre-toi de là, Alcatraz! Non. Attendez. Il vous manque un dernier élément du puzzle. Il est sur le bureau. Prenez la seringue. Prenez-la. Tenez, là. L'itération de Tunguska. La clé qui ouvre toutes les portes. Que je me suis installé dans cette ville répugnante et infecte parce que je me plais ici. Vous les attendiez? Pourquoi n'avoir prévenu personne? Prévenir qui? L'humanité entière? Quelques hommes triés sur le volet, oui. Regardez le résultat, vieux fou. Ils sont là, vous... Eh oui, Nathan. Les propriétaires sont de retour. Ils reviennent remettre le système en état, faire le grand ménage de printemps dans toute la maison. Et ils n'apprécient pas trop ce qu'ils ont trouvé dans un recoin sombre. On ne peut pas leur en vouloir, n'est-ce pas? Ah, voici les anges de la mort. Ils viennent me rappeler que les humains sont mortels. Eh bien, ils en ont remis du temps. Devenez prophète, portez son armure, luttez pour votre espèce, pour l'humanité dans toute sa magnificence. Agissez pour sa gloire. Barre-toi de là, Alcatraz! Oui, c'est ça! Go! Go! Vous devez nous sauver! Ici Jacob Hargrave, à tout le personnel du CEL. Le commandant Lockhart est mort. Je ne vais pas tarder à le rejoindre, et le prisme est équipé d'un système d'autodestruction. Le sujet prophète est désormais votre unique espoir d'endiguer l'invasion alien. Stoppez les hostilités, et offrez-lui toute l'assistance requise pour évacuer l'île au plus vite. Option tactique. Toute l'infrastructure du prisme sera oblitérée dans 10 minutes. Votre contrat de travail est nul et non avenu. Alcatraz, le toit est défoncé. Tu ne pourras pas t'échapper par là. Je me rends au pont Queensboro. Si tu le veux, retrouve-moi de mon côté. Camouflage activé.
Écoute-moi, Alcatraz. Hargreaves n'a jamais bluffé de toute sa vie. Tout va exploser. Il faut que tu sortes de là. Camouflage activé. Il faut que tu retournes à Manhattan. Si on perd la combi, après la mort, 9 cœurs d'ange ou un lac de feu? Au fil du temps, on finit par oublier ces mythes. Mais l'enfant qui a appris à craindre l'enfer ne disparaît jamais vraiment. Pour être très franc, j'ai déjà assez soupé de la vie après la mort. Une vie qui s'apparente au purgatoire. Près de 50 ans à flotter dans un liquide en surfusion comme un vulgaire spécimen médical. Les pensées relayées dans les labyrinthes de silicium des machines, prisonniers de caméras et d'écrans vidéo, condamnés à ne jamais connaître le repos, ne jamais cesser de songer à un monde qui n'est plus le sien. Non, si c'est un avant-goût de l'au-delà, je préfère que tout s'arrête après la mort. Pas de temps à perdre, Alcatraz. Traverse le pont. Force spéciale? La CIA? Et vous n'avez pas jugé utile de m'en informer? Vous informer? Et puis quoi encore, bordel? Mais j'aurais pu vous aider! Ouais, c'est ça. Si vous tenez à vous rendre utile, aidez-moi à retrouver ce type. J'espère qu'il en vaut la peine. La combinaison! Alcatraz et la combinaison! C'est l'arme ultime! Ouais. Gino, du neuf? Que dalle. Balayage terminé. On revient en rasant la côte. Je ne crois pas que... Là! C'est son signal! Il est ici! Gino, retour au véhicule. On tient. Par ici! C'est par ici! Venez! Je ne reviens pas. Je croyais que vous aviez bu la tasse pour de bon.
Bref. Bye bye, Hargrave. Va falloir se débrouiller. Oh, je suis ravi de te voir, mon pote. Écoute, je crois que je suis arrivé à... Plus tard, professeur. Vous nous ferez la leçon en route. Allez, c'est par là. Alliez la structure alien de Central Park. Montez à bord du véhicule. Alcatraz, bon Dieu, tu t'en es tiré. Écoute, d'après la mémoire résiduelle de Prophète, les Ceph crèchent juste en dessous du plan d'eau de Central Park. C'est là que se trouve le principal régulateur de spore, le poids central. Si on réussit à vous infiltrer sur place, la Combar et toi, on a une chance de refouler l'invasion Ceph. Le problème, c'est justement d'aller sur place. Peu de temps qu'il me reste. C'est le bon canal. Allez-y. Colonel Barclay, ici le lieutenant Tara Strickland, des forces spéciales d'intervention. Nous nous dirigeons vers Central Park avec de quoi enrayer l'incursion Ceph. Nous avons réquisitionné un transport du sel, mais on n'arrivera à rien sans appui aérien. Pouvez-vous nous aider? Lieutenant Strickland, ici Barclay. Écoutez-moi bien. Je viens de me colter avec le Patago. Ils n'ont pas trouvé mieux que de vouloir raser Manhattan à coups de missiles nucléaires. C'est de la folie! Ce serait un massacre! Toute la zone serait condamnée à l'hiver nucléaire! Ils n'ont pas le droit! Ils n'hésiteront pas! Pour eux, c'est le prix à payer pour stopper l'invasion Ceph. Et je n'ai aucune alternative à leur soumettre. Il ne vous reste que très peu de temps pour faire ce que vous avez en tête. Après quoi? Vous comprenez, Madame Strickland? Négatif, colonel. Le professeur Gould m'a convaincu qu'il nous restait une chance, mais il faut agir vite. Je répète, pouvez-vous nous aider? Contact! Ouvrez le feu! Et merde, vite! Restez là, lieutenant. Je vois ce que je peux faire. Contact ennemi à 9h! Thank you.
Alcatraz, notre système de guidage est aveugle. Donnez-moi une cible ASAP. Marquez l'embuscade Ceph pour valider la frappe aérienne. Alcatraz, le signal de votre combinaison est identifié et synchronisé avec notre armement. Nous avons besoin de vous pour désigner la cible en visuel. Confirmé. Putain, c'est passé tout près. On a failli. Alcatraz, écoutez-moi. Vos transports aériens sont en route. 6 hélicoptères empruntés aux ailes, c'est tout ce qu'on a. Et pour changer, le temps joue contre nous. À moins de désamorcer rapidement la situation, le Pentagone a autorisé le recours à la force nucléaire sur Manhattan. Vous avez 20 minutes de battement. Quoi que vous ayez l'intention de faire, faites-le vite! Scorpion 1, en approche. Ici Scorpion 3, j'approche du plateau. Mon Dieu, vous avez vu ce truc? Incroyable! Rapprochez-nous-en au plus près. Alcatraz, il faut que tu parviennes à accéder au régulateur de spore. Une fois à l'intérieur, ta combinaison se chargera du reste. Tu crois vraiment que ça va marcher, Gould ? C'est ça ou les têtes nucléaires ? Il n'y a plus d'autre choix possible. On peut pas s'approcher de cette saloperie. Il n'y a aucune zone d'atterrissage et la pression atmosphérique s'impose. Vous voulez descendre ? C'est maintenant ou jamais. Très bien. Scorpion 3, faites-le descendre. Alcatraz, on t'aidera autant qu'on peut. Courage, soldat. Je ne pourrais pas être à ta place.
Alcatraz, on est toujours là. On a encore accès au flux de la nanocombi. Je vais t'apporter autant de soutien que possible, mais j'ai pas une grosse marge de manœuvre. Pour l'instant, contente-toi de rejoindre la lance. Je te couvre, t'en fais pas. Un peu le vélage sur ce truc. Alcatraz, écoute, l'ensemble est relié à la structure du lithonef. C'est plus qu'instable, ça risque de lâcher à tout moment. Attention aux pertes de tension. Bingo, qu'est-ce que je disais? Je crois qu'il a compris. Activé. Camouflage activé. Alcatraz, on n'a pas beaucoup de temps. Tu sais ce que t'as fait dans la ruche tout à l'heure. Eh ben recommence. Bon courage. Analyse terminée. Navigation actualisée. Fais pas de vieux os, mon vieux. Reviens vite par ici. Analyse terminée. Navigation actualisée. Camouflage activé. Thank you.
le lac, il n'y a aucune autre issue. Va falloir que tu sautes, mon vieux. Mais n'oublie pas de bien t'équiper avant de... De loin. Tu me croyais parti? C'est ce que je comptais faire. Souviens-toi de moi. Mais la combinaison. Hargreave avait raison. La combi a changé la donne. Ils m'ont envahi. Les Sèvres, ils m'ont envahi. Fallait que je rompe le lien avec la combi pour ne pas perdre le contrôle. Et toi, t'étais là. Devant moi. En train de crever sous mes yeux. Mec, fallait que je tente le coup pour te laisser finir ce que j'avais commencé. C'était notre seul espoir. Et sache que ça ne concerne pas que New York ou que Linkshan.
Loin de là. Les Sèvres sont là depuis très longtemps, depuis toujours. Ils ont construit partout. Absolument partout. Assimilation terminée. C'est loin, très loin d'être terminé. Pour toi et moi, Marine, c'est trop tôt pour mourir. On doit y retourner. On a besoin de nous. Seriez-vous le Marine tout juste retrouvé à Central Park? Le porteur de la nanocombinaison de Jacob Hargreaves. Attendez, calibre le signal. Ah, voilà qui est mieux. Laissez-moi me présenter. Karl Ernst Rasch, à votre service. Et vous-même? On m'appelle Prophète.